Il est 2h d'après-midi. Vous allez faire la sieste. Mais j'ai pas déjeuné. Bah, vous mangez après. Après la sieste? Oui. Ce sera le dîner. Bon, ben après le dîner, qu'est-ce qu'on fait? On se couche? Mais j'aurai toujours pas déjeuné. Alors que faire? Se coucher. Voilà. Se coucher. Et pour la musique, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah pour la musique, rien. Mais comment ça, rien? Ah bah, non. Vous allez vous mettre des petits bouchons de coton dans les oreilles et puis vous allez pas nous faire chier, d'accord? Vous savez qu'on peut appeler la police? Eh bah appelez la police, ça vous occupe. Bon, Allô, Smoke City, quoi, qu'est-ce que... On fera rien pour la musique, Laurent, mais t'es ouf, aujourd'hui c'est le nouvel an. Et comme on n'avait pas de sujet, ben, on va faire que de la musique en fait. Et comme j'avais pas d'invité, eh ben, on va faire de toute façon, mine de rien, on peut pas dire que depuis que je suis sur Aligre FM, j'ai fait trop de la promo pour ma gueule. Et ben aujourd'hui, ben, on va faire un petit concert de Mano Solo, hein, y a pas... puisque j'ai pas d'invité et que voilà quoi. Donc, non, mais au moins on était sûr qu'ils viennent celui-là comme invité. Voilà. C'est ça l'avantage. Ouais, ça roulait pas bien sur le périph' et tout. Bon, écoute, je vais aller pisser un coup, tu passes un petit disque, on refait un petit peu, on s'installe bien la guitare. Voilà. Et puis je reviens et puis on fait ça tout de suite. On en a pour une heure de vieilles chansons parce que. Bah ouais, moi je sais faire que mes vieilles chansons à la guitare, donc je crois qu'il y a pas mal de gens qui dans la salle passent leur temps à me les réclamer, bah qui sont peut-être contents aujourd'hui, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous tous, sauf que je suis pas sûr de savoir les jouer comme une bête, mais justement c'est ça qui est marrant. C'est pas grave, on mettra des jingles pourris sinon. Voilà, c'est ça, ouais. Si dès que je me plante, ouais, on est complémentaires. Super jingle. Ouais. Ouais. J'aurais dû emmener mes PBO, tu sais, les playback orchestre. Ouais, j'aurais dû bon faire semblant de jouer comme une brute. J'aurais piqué la guitare à Jean-Louis Solens et puis. Ouais. Ce sera pour la prochaine, ça, pour le début d'année. Je vais se rendre un peu comme ça. Aligre FM 93.1, Smoke City, la dernière de l'année avec Mano Solo, qui a décidé ce soir de sortir sa guitare. Allô Laurent? Yes. Et ben on est parti. Here we are. Et j'avais le sacré cœur gros comme ça. Et j'avais le sacré cœur qui palpitait tout bas. Je savais même pas pourquoi. J'ai demandé aux passants s'il avait déjà été heureux un court instant. Mais les touristes ne sont pas tristes. Ils te font des sourires gentils, un peu gênés, mais très polis. Mais des fois, va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme ça. Et même ces femmes tout autour qui viennent du monde entier pour te mater d'un regard qui fuit dans leur fantasme d'un pigalle rempli la page du Belphégor de la pyramide et la main de leur sœur dans la culotte du pont de l'Alma. Et même ces femmes de toutes les couleurs ne t'arrachent pas de cette torpeur qui t'est venue, tu sais même plus d'où, et qui te colle là partout quand des fois on va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme toi. C'est pas pour ça que je vais aller courir dans le lit de la Seine pour y dormir. Pas pour ça que je vais aller chialer dans la cour d'un ancien trop ancien amour. Même si des fois on va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme toi. Et des fois va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme toi. Allez. Cette chanson
En fait, elle est vraiment née. Tu sais, Laurent, que j'avais mes chansons et tout. Et puis j'allais au Sacré-Cœur. Et puis ce que tu as vu bien au Sacré-Cœur, c'est que tu n'as que des touristes. Et ils ne comprennent rien de ce que tu racontes, tu vois. Et je me mettais là, sur la butte, là, en haut, sur l'arrêt du bus, souvent et tout. Et puis je chantais mes chansons. Et puis ils s'en foutaient. Oui, c'est jukebox humain. Ils s'arrêtaient, ils me regardaient, tu vois. Puis ils auraient voulu que je joue Edith Piaf ou je ne sais pas quoi, tu vois. Peut-être qu'ils m'auraient filé 100 balles. Mais tu sais quoi, chaque fois que j'ai joué dans la rue, personne ne m'a jamais filé 100 balles. Il y a plein de gens qui m'ont écouté, mais jamais personne ne m'a filé 100 balles. Et c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas la fente pour glisser non, le billet. Non, c'est parce qu'ils voyaient bien que je ne faisais pas la manche. C'était oui. Quelque chose comme ça, quoi. Je leur disais des trucs du genre comme ça. Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bonbons, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors je t'ai dit, allez viens mignonne, allez viens on en fait un. On tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots, pour leur gueuler tout haut. Que la vie, c'est pas du gâteau, même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi, ça me coupe pas l'envie, moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents dans les joues roses d'un enfant. Je dirais salut mon petit gars, l'une dirait salut papa. J'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment guidera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots, pour leur gueuler tout haut. Que la vie, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau. La 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 la. Mais moi, tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots, pour leur gueuler tout haut. C'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots, pour leur gueuler tout haut. La vie, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau. Oui, ben voilà, c'est Mano Solo en direct pour vous, messieurs, dames. Oui, c'est un peu... Dis, quand je gueule, ça sature grave dans mon casque. Dans ton casque à toi, oui, il va falloir que je te règle ton volume de casque, en fait, qui est de ton côté. Et si quelqu'un avait un mouchoir, ça m'arrangerait bien aussi, parce que dès que je chante, il faut que je mouche. Moi, c'est un truc... On vous apporte ça, monsieur. Voilà. Ah, super, un mouchoir. C'est incroyable, à mesure que tu chantes, le studio se remplit, se remplit, se remplit. Oui, bah rentrez une bonne fois messieurs, pour dames, toutes. Voilà. Et puis après, bougez plus, et puis rentrez. Installez-vous, il y a des sièges là-bas. Mais après, arrêtez de circuler, s'il vous plaît, parce que ça... Fermez la porte. Voilà, qu'on soit bien là, entre nous. Installez-vous, restez pas debout, restez pas debout là. Restez pas là, pourquoi vous êtes là comme des taupes là, c'est dingue, comme les gens ont peur, quoi. Mais arrêtez de... Ils sont tous là, dans un coin, assis par terre, alors qu'il y a des sièges de l'autre côté, ces arbis. C'est le problème des gens qui n'ont pas réservé, en fait. C'est pour ça qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Je vais faire une chanson triste.
Dans le temps, j'avais un paquet de chansons tristes. Terrible. Oui. Du genre, un truc comme ça. J'ai révisé hier, mais ça fait une éternité que j'ai pas joué ça. Contre ton corps, au lieu de rester là fumer encore et encore. Mais tu sais, pour moi, il y a des choses simples qui ne le sont pas. Et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi je dors pas. Comme un lamentin qui se lamente dans les eaux troubles du manque. J'ai la mort aux trousses qui me fout les foies, qui me hante, qui me tente, qui me vante son antre. Combattant immobile, j'écoute bouillir mon sang mobile et battre à mes tempes le décompte du temps. Et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que je veux pas crever. Je penche comme la tour de Pise, fatigué sur un dernier dessin. Encore un qui raconte que je me sens pas bien. Alors j'ai sommeil, mais je veux pas dormir. Alors je veille, je sais qu'un jour tu vas partir. Parce que c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi je dors pas. Et le bleu du petit matin me délivre enfin. Et je fume mon dernier joint et c'est déjà demain. Eh ben dis donc, t'en as beaucoup des trucs dans tes tiroirs comme ça. Bah oui, j'en ai un paquet hein, si tu veux. T'as écrit ça après avoir rencontré tous ces touristes américains à Montmartre et... Ouais, c'est ça. En fait, je lui parlais, mais comprenait rien parce que c'était une Albanaise. Ah oui, c'est ça. C'est le problème avec la peinture moderne. Du coup, j'étais rue Saint-Denis, tu vois, parce que là, au moins, t'as pas besoin de discuter. Oui, ça, c'est par geste. Ouais. Ouais, le langage des signes, c'est l'avenir. C'était un soir de rue. Un peu bourré, un peu perdu. Oh, mes pas suivaient le ruisseau d'un putain de caniveau. Oh, sa bouche donnait à rêver à n'importe lequel du quartier. Oh, c'était une de ces grosses quebla. Elle s'appelait Sina. Alors le rêve, ouais, ça coûte 100 balles. Allonge, mon vieux, c'est mon casse-dalle. Et la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. J'ai suivi ses pas qui claquaient devant moi. Oh, 128 de la rue Saint-Denis, on n'espère pas. Que la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. Et la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. Et je marche dans les rues sans savoir vraiment ni comment ni pourquoi. Oh, 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 j'en suis arrivé là et la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. La lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. La lune par terre, oh, comme une
comme une étoile de mer et la lune reflétait par terre, ouais, comme une. Ça te fait quoi de chanter ces vieilles chansons ? Oh bah je les chante celle-là. La lune, je la chante en concert quand même, à la fin des concerts. Toujours quand tu dors, ça faisait des années que je n'avais pas chanté ça. Pas du gâteau aussi, je l'ai chanté. Ouais, je les chante une fois par an. À la Noël ou Sacré au premier cœur, on le fait en concert, Sacré-Cœur. Oui, Sacré-Cœur, oui, c'est vrai. Ouais. Une robe côté bien serrée et son rouge au coin du bec. Elle va claquer l'escalier, alors la nuit va l'emporter. Oh, une image comme une autre, un mirage des nuits d'ici. Une image dans une autre, un mirage des nuits de Paris. Elle glissait dans la musique en éclairant les regards. Elle tournait son corps en tournant pour toyer sa tête. La 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 la. Une image comme une autre, un mirage des nuits d'ici. Je dans une autre, un mirage des nuits de Paris. On aurait dit une image de pub, une de celles qui font croire au bonheur. Elle riait de toutes ses dents, voilà les 10 doigts plantés dans l'instant. La 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 la. Comme une autre, un mirage des nuits d'ici. Une image dans une autre, un mirage des nuits de Paris. Elle rentrait au petit matin, poudrait son nez dans son miroir, en regardant couler des larmes qu'elle oubliera dès ce soir. Une robe côté bien serrée et son rouge au coin du bec. Elle va claquer l'escalier, alors la nuit va l'emporter. La 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 la. Une image dans une autre, un mirage des nuits de Paris. Smoke City sur Aligre FM, c'est en direct avec Mano Solo, qui pour une fois ne parle pas mais chante. Ouais. Hein, c'est bien décrit. Hein. Bah, d'habitude, je parle pas trop, je laisse parler les gens. Justement, c'est pour ça que j'aime bien faire de la radio. Il y a que là où je laisse parler les autres. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Y a et encore des fois. Oui. Non, c'est vrai qu'on a quand même reçu plein de gens bien, ceci dit. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut le dire quand même, pour ceux qui arrivent, Smoke City, c'est quand même une émission où on essaye de faire avancer un peu la politique autrement, à travers la parole des associations et des gens sur le terrain. Qui sont actifs, ouais, qui font autre chose que gueuler. Ils gueulent beaucoup aussi, hein, mais parce qu'ils ont des bonnes raisons, ils expliquent pourquoi et puis ils proposent des choses en fait. On essaye de donner la parole à des gens qui proposent des choses sur Smoke City. Ouais. Bon, allez, je vais faire un truc, un vieux machin. En fait, tu sais quoi, cette chanson-là, je l'ai sorti bien longtemps après sur l'album des pauvres misères, oui. des frères misères. Mais c'est peut-être la première chanson qui à l'époque m'a donné envie d'en faire d'autres. Ouais. Qui avait l'air d'une chanson, tu sais. C'était entre deux tableaux à l'époque où j'étais un petit peintre à la con.
dans l'atelier des puissances populaires, je me souviens. Tu étais à Montmartre aussi pour les tableaux? Non, on était à Bastille dans un squat qu'on avait rue de Charonne. Ouais. Les puissances populaires que j'embrasse d'ailleurs. Je leur souhaite une bonne année. Et bien, est née cette chanson dans l'atelier de Charonne. La 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 la. La 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 la. C'était un pauvre petit qui traînait sur le boulevard. Sa mère l'avait la folie, son père était au placard. C'était un pauvre petit qui a joué au maquisard. Debout avec son fusil en haut de la rue de Rochechouart. La révolution c'était pas pour lui, il traînait plus qu'au long. La révolution c'était pas pour lui, il comptait plus sur son pétard. Pour lutter contre l'ennui et les lendemains qui chantent blafard. Quand il a mis son chargeur, Yémon, les gens ont pris peur. C'était juste un pauvre petit. Quand il. Merde, j'arrive pas, tu vois, je savais très bien que j'arrive pas. On la fera tout à l'heure. Ouais, bah. Ouais, je savais bien que j'arriverais pas. Oh, il était plutôt pas mal parti. Hein, non, il faut avoir la patate pour ça. En plus, là, sur cette guitare-là, ça fait chier et tout. Non, je vais te faire un truc bien, là. Regarde, écoute. Ah, c'est beau. Ça y est, en plus, quand je commence à choper la toulon, tu sais, c'est. Quand t'es à toulon, c'est dur d'enchaîner, quoi. Ouais, là, je comprends. Toulon, grave. Ouais. Non, j'ai les disques, hein, sinon. Tous les jours sont pour moi comme quand on descend d'un train et qu'on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un. Juste un petit cœur tendre qui serait là à m'attendre. Mais sur le quai, y a pas la foule. Y'a juste deux, trois vieilles connaissances. Le désir, la mort, la malchance. J'ai fait comme si je les avais pas vus. Mais c'est eux qui me collent au cul. Fera-t-il jour un jour dans ma nuit de l'amour, me lèverai-je un matin avec autre chose que du chagrin. Tu me manques, je sais même plus combien. J'ai jamais su compter si loin. Croiser trop de chats noirs et il pleuvait des enclumes toujours dans la côte et jamais, oh, jamais le vent dans le dos. Mais je continue, je monte sur cette vie, crache ma peine et je continue. Ce n'est que ma vie. Excuse-moi du peu, excuse-moi de l'odeur, excuse-moi pour tout, excuse-moi, oh, la peur. Tous les jours sont pour moi comme quand on descend d'un train et qu'on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un. Bah on est là. C'est pas du blues, ça. Ça, c'est du real blues. Ouais, ouais, ouais. Qu'est trop facile, je sais même plus si c'est ça une vie. Je suis pas prêt d'être moins triste, surtout quand je te vois. J'ai pas la vie qui est trop facile, j'ose plus bouger d'un cil, de peur de passer sous le métro, me faire écraser par un piano. Mais tu
les ailes et tu t'envoles. Je voudrais te suivre, mais je pèse des tonnes. J'habite sur Tétanos Boulevard, là où l'élan des femmes se suspend au dernier instant. Comme happy, elles disparaissent. Maudit boulevard de crime, où on cherche qui l'assassin, qui la victime. On est tous un peu les deux, point commun, c'est qu'on n'est pas heureux. Et tu ouvres les ailes et tu t'envoles. Oh, je voudrais te suivre, mais je pèse des tonnes. Et la vie, elle te fait pas de cadeaux, ou alors d'un coup, elle t'en fait trois. La mort et la mort de l'âme, du cœur et du corps. Et ces trois cadeaux maudits, je les ai faits moi aussi. On comprend que ça pèse sur mon sourire, que ça me donne juste l'envie d'en finir. Et tu ouvres les ailes et tu t'envoles. Oh, je voudrais te suivre, mais je pèse des tonnes. Je connais pas, je t'ai jamais vu, mais si un soir au coin de la rue tu t'accroches au feu dans mes yeux, écoute ta peur au fond de ton cœur, c'est le regard d'un naufrageur qui d'ici jusqu'à la mer, j'ai cramé toute ma garrigue. Qui d'ici jusqu'à l'enfer, y'a plus qu'un pas dans le vide. Alors ouvre tes ailes et envole-toi, ne me laisse pas te suivre, et tu pèseras avec moi. J'ai pas la vie qui est trop facile, je sais même plus si c'est ça une vie. J'ai pas la vie qui est trop facile, je sais pas même plus si c'est ça une vie. J'ai pas la vie qui est trop facile, je sais même plus. J'ai jamais su si c'est ça une putain de vie, j'ai jamais su. C'est pas facile, c'est pas facile, j'ai jamais su. Oui, il me semblait qu'il y avait des gens. Je vais me moucher quand même, depuis tout à l'heure, je sens que j'ai le nez qui coule et tout. Bah oui, on peut se raconter des histoires pendant on ce temps. On m'a dit, Mano va jamais jouer au Japon parce que si tu te mouches sur scène, tout le monde sort de la salle. Ah, ça c'est dommage. Putain. Dommage, il y a des carrières à faire, hein. Mireille Mathieu, tout ça, elle a fait ça super bien. Hein. Les plus grands artistes français vivent au Japon maintenant. Hein. Kléderman, Mireille Mathieu, enfin tout ça. Quoi. Bon, ça y est, il est mouché. Hein. Ouais. Dis, j'ai pas beaucoup de son hein, moi quand je chante. Hein. C'est, je chante un peu à l'aveuglette, tu vois. Attends, on va voir ça avec Alex. C'est vraiment de retour. Ouais, c'est le niveau du casque. Ça le fait. Hein. Ah, ouais, écoute-moi, de ce côté-là, ça le fait plutôt pas mal. Voilà, on verra bien ce qu'en penseront les auditeurs. Bon. En tout cas, c'est un concert gratos dans la radio, et puis voilà, quoi. Tu veux que je te raconte une autre histoire triste ? Ouais. De toute façon, j'ai déjà pleuré, alors tu peux y aller. Le monde entier, c'est une chanson qui raconte l'histoire de Léo. Léo, c'était une gamine de 18 ans, qui sortait avec un copain à moi. C'était une gamine que j'adorais, qui était vraiment trop mignonne, une petite Lolita, tu vois. Qui faisait des études de graphisme, je me souviens, à l'époque. Et puis un jour, on l'a retrouvé pendu. Et puis voilà, quoi. Et puis, c'est quelque chose que j'ai jamais avalé, quoi. Et puis voilà, cette chanson, je l'ai fait 20 ans plus tard. Il faut du temps, des fois. Je l'ai fait pour Léo, la petite Léo. Je voudrais lui souhaiter une bonne année. Allez, Léo. Ne saura jamais à quel point j'étais triste, à quel point tu t'es trompé,
tu t'es trompé. Le monde entier n'a même pas vu qu'on t'avait retrouvé pendu à tes pieds de trois dessins et des lettres à tes copains. Et moi j'étais trop loin, j'étais même pas là pour tendre la main. Le monde entier n'a pas chialé, le monde entier n'est pas là pour ça, le monde entier ne t'en a pas voulu autant que moi. Si tu m'avais demandé, moi je t'aurais dit que dans la vie, ce qui compte c'est pas l'issue, mais c'est le combat, c'est le combat. Qu'il faut rendre ce que tu reçois, les mauvais coups comme les plus bas, et que rien que la beauté des gestes te donne raison sur ce que tu détestes. Mais pour ça j'étais trop loin, j'étais même pas là pour tendre la main. Pour toi, j'avais des rêves pleins d'entrain qui finissaient pas au cimetière Pantin. Même si moi aussi j'ai mille fois l'envie dire va te faire foutre la vie. Mais tu vois, il me reste encore une bonne droite et je l'ai pas encore collée dans la gueule du monde entier, du monde entier. Le monde entier ne saura jamais à quel point j'étais triste, à quel point tu t'es trompé. Le monde entier n'a même pas vu qu'on t'avait retrouvé pendu à tes pieds de trois dessins et des lettres à tes copains. Ouais, c'est... Bon, un peu de cafouillage, bordel d'épine. Ça, c'est l'émotion, c'est quand on est... Ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle être artiste. Tiens, je vais prendre ta guitare. La respiration. Oui, c'est une guitare en bois d'arbre traditionnelle, tu veux. Elle ira mieux pour le prochain morceau. Et oui. Que j'ai pas joué depuis que je joue plus avec Babino. Elle est pas mal, ta guitare. Ah ouais, elle coûte super cher. Contigo, niña, perdón, yo no puedo, no puedo, de Barbesa hasta Plas Clichy, contigo, de Barbesa hasta Plas Clichy, por un último beso. En el río de fuego, en la corriente del infierno, París, dame un beso. Y cógeme en tus brazos cada día. Me despierto con la misma gana de estar contigo, niña, perdón. Yo no puedo, yo no puedo. Canal. Moi je pense à Pigalle, Paris, j'ai la fringale de toi. Paris, prends-moi dans tes bras. De Barbès jusqu'à Place Clichy, c'est là que j'aime perdre ma vie. La 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 la. Ser tan solo a
ahí abajo, por un lado perdido, por donde te puedes morder, morder sin ruido, morder sin ruido, de Barbés hasta Plasquilis contigo. De Barbés hasta Plasquilichi contigo, de Barbés hasta Plasquilichi contigo, de Barbés hasta Plasquilichi por un último beso. Espérame. Espérame. Llego pronto. Paris. Bah finalement, tu t'en sors pas mal, hein. Moi, c'est une des chansons que je préfère de toi. Ouais. De Barbassas en place Clichy, je sais pas. C'est-à-dire quoi que les autres, elles sont pas bien. Ah, je déteste qu'on me dise toutes pareilles, moi, tu sais. Il y a toujours un ordre. C'est trop caractériel. Ah, tais-toi, tais-toi. Il y a un ordre, tu vois. Non, non, Mano Solo, c'est super bien. En moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien celle-là, parce qu'en plus, c'est une version acoustique sympa. Et alors que la version de l'album était vachement orchestrée, je crois, si je me rappelle bien. Et puis voilà, c'était un truc qui se retient bien. Bah, il y a eu deux versions. Il y en a eu deux, voilà. Il y a eu deux versions. Il y a eu la version originale, et puis la version avec Balbino, qui était bien, moi j'aimais bien. Hein. Qui aurait dû faire un tube, mais bon... Bah, ça a fait un tube, c'est passé sur des radios. Je l'ai entendu sur des radios. Ah ouais, moi. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Même Latino, ils avaient mis ça, je crois. Ouais, seulement parce qu'il y avait ces. Parce que c'était un peu salsa. Tonio Chao qui me passait sur Latino. Ah, d'accord. Mais maintenant qu'il est bosse plus là-bas. Il... Faut qu'on trouve quelqu'un d'autre alors. Ouais. Bah, on embrasse, tiens, Tonio Chao, puisque c'est les vœux. On va embrasser Tonio Chao. On peut faire les vœux. Bien. On peut embrasser plein de gens, les gens d'Aligre FM qui nous reçoivent depuis un an maintenant. C'est vrai, ça fait un an. Ça fait un an, oui. Ça peut presque fêter un anniversaire bientôt. Bon. Voilà. Des gens comme Alex qui est présent, qui est toujours là pour rendre service. Et puis toute la compagnie, j'en oublierai sûrement. Mais voilà, une radio qu'on aime bien. On aime bien venir là. Ok. Il y a Soulim, il me filme, il se met par terre et tout. Je vais avoir quoi. Tu vois, tu vas. C'est pour les gens, c'est tout ce que tu vas leur offrir. Un plan de par terre. Pendant une heure, les gens ils vont voir de par terre. Ça va être passionnant à regarder sur Internet. Ah, bah oui. Non, mais je suis obligé de surveiller. Ah, faut tout surveiller. Ah, quand tout faire quand on est en, auto, en autoproduction soi-même. Ah ouais, tiens, oui. Bah parlons-en. Parce que, bah oui. Quand même, bah ouais, puisqu'on est là pour faire du Mano Solo, bah parlons de mon dernier album. Il faut dire que quand même, je l'ai autoproduit, que bah, j'ai vachement misé là-dessus. Ok, maintenant, c'est vrai, je suis remboursé, mais en même temps, je n'ai pas gagné ma vie. Il faut expliquer ça aux gens que l'autoproduction, ce n'est pas du tout une porte de sortie pour les artistes, même quand ils sont connus comme moi. Hein, c'est ce que j'ai souvent essayé d'expliquer aussi sur cette radio. Voilà quoi. Donc, bah ouais, achetez mon album, tiens, puisque c'est les fêtes, achetez ben mon oui. album, parce que ça me rendrait bien service à moi. C'est l'occasion. Celui-là, il faut l'acheter, les autres, vous avez qu'à le télécharger. Après, c'est Warner, enfin, même si ça me fait toujours gagner ma vie. Hein. Mais en tout cas, le dernier album, c'est important que les gens l'achètent. Si vous l'avez déjà, bah, vous pouvez l'offrir aussi. Oui, ça fait des très jolis cadeaux. C'est un achat de soutien, là, ça devient l'achat de soutien. Voilà. C'est dans le jardin que ça se passe. Pleurer de misère, mais. In the garden. Dans le jardin. Je vais vous faire une vieille chanson que j'aime bien, la plus belle chanson de la Terre. Tu sais quoi, c'est la plus belle chanson du monde. Bah écoute, on est ravis. Certifiée par des milliers d'auditeurs. De nombreuses marques. Sur celles qui n'ont pas eu le choix de dire non, parce que de toute façon, il y a trop de bruit. D'ailleurs. Viens, nous construirons ensemble la nouvelle déchirure. Ouais, je sais, il y a
des trucs qui s'oublient pas. Mais moi, tu sais, j'oublie rien. Allez, viens. Et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Allez, viens. Il n'y a qu'à faire semblant de rien, juste un peu fermer les yeux, rien qu'y croire un tout petit peu. Allez, viens, dors dans mes bras. Tu vois, il y a mille et une raisons pour pas rester seul comme un chien. Allez, viens, et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras blessé, quand tu m'auras griffé, oh, d'un regard trop lointain. Quand t'auras tout dit, sans un mot dans l'arrière-salle d'un bistrot, et c'est toi que je pleurerai demain quand tout Paris me demandera et pourquoi, pourquoi, et pourquoi t'es plus là. Allez, viens, c'est sûr qu'on peut rester tout seul, putain, mais on a vraiment, vraiment toute la vie pour ça. Allez, viens, laisse-toi faire. On laissera nos casseroles au vestiaire. On ouvrira un peu les yeux. On se sentira un peu moins vieux. Et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Olé. Bah bien, hein. Et ouais, ça c'est quand même la plus belle chanson de la Terre. C'était pas la plus belle version de la Terre, mais bon, on fait ce qu'on peut. Oui, non, mais ça va très bien, tu sais, on se croirait dans un showcase. Ouais. Je crois que je serais reçu à la Starac avec en arrivant, gratuitement ma guitare. Moi, à mon avis, tu ferais comme tous ceux qui ont déjà fait des carrières. Je pense que tu te ferais virer dès la première semaine. Voilà, parce que tu ne correspondrais pas, tu ne danses pas de la bonne manière, etc. etc. quoi. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y en a une petite là, qui est arrivée, qui s'est fait sélectionner avec une chanson de Manon Solo aussi. Ah bon, ouais. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais... La chanson ou la fille? Les deux. Si grave, c'est pas si grave. Tiens, je vais te faire une jolie chanson. Je t'ai cherché, borracho dans les rues, butant à chaque pas sur de l'amour perdu. Je t'ai cherché, des heures sans bouger, perdu, désemparé, mais il aurait fallu que je naisse gitan pour hurler comme ça, moi, ma voix, quand elle saigne pour toi, tu ne l'entends pas, mais tu n'étais pas là, peut-être même t'existais pas, j'aurais dû le savoir, mais je voulais rien voir, et dans la nuit noire, je me suis remis à boire, je me suis remis à boire. Et j'ai maudit la vie, j'ai cherché comme un taré dans Paris la putain qui a une belle paire de seins. Oui, mais en profondeur, elle a perdu son cœur. Et dans la gorge, j'en ai un bout et je lui donne mon sang debout en criant, en criant, en criant. Mais il aurait fallu que je n'hésite en pour hurler comme ça, moi, ma voix, quand elle saigne pour toi, tu ne l'entends pas, tu ne l'entends pas. Et on reste tout quoi,
COI. C'est une chanson qui a eu plein de versions. C'est con, j'ai pas pensé à ça. J'aurais dû amener une des versions qui était complètement presque disco, toute pourrie. Ah ouais, mais ça, on pourra faire une émission spéciale, les chansons pourries de Mano, par exemple. Ouais, c'est vrai, je pourrais ramener des vieilles maquettes pourries. Les pires versions, ce qui aurait jamais dû sortir et qui va sortir quand même, des choses comme ça, tu vois. Ouais, il y en a pas tant que ça, mais. Ah. Si, j'en avais une pour les rappels, là, si aujourd'hui on en a. On a le temps, je ne sais pas. Pour l'instant, on en a encore. Hein. Bon, je vais faire une chanson que j'ai pas fait depuis un millénaire. Ça va être un peu. Je risque de me planter dans les paroles. Tiens, attends, je vais les sortir comme ça. Ben voilà. L'avantage qu'elle soit écrite quelque part. Hein. C'est là qu'on voit que c'est du vrai direct. Voilà. Qu'il n'y a pas de trucage. Tu sais quoi, névrosé ? Il y a le névrosé qui est revenu. Névrosé, quand il est dans les loges derrière, là, il ouvre grand sa gueule et tout. L'autre jour, on lui a donné t'as la parole. T'as vu quand on lui met le micro ouais, ça... Parce qu'il faut le dire à tout le monde. Névrosé, il est dans le couloir à chaque émission. Quoi. Oui, même quand on n'est pas là, il vient. Dernière, on lui dit, viens, dis-nous quelque chose. Il n'avait rien à dire, névrosé. Alors tais-toi maintenant. Voilà, dis-le, mais beaucoup moins fort. Allez, bon. Va voir Julie dans son bistrot, là. Je vais te parler de Julie. Servir en bougeant autour de moi et je sentirai l'odeur de sous tes bras et même tes cheveux gras de l'odeur des frites me feront rêver et c'est 10 fois que je recommande fais monter la pression, Julie, et pendant que tu y es, mets-y un peu de piquant. Fais monter la pression, Julie, il n'est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Encore une fois, serre-moi. Et si tu plantes tes yeux dans mon ivresse, en essuyant tes verres avec tendresse, et que petite sœur de malheur, oh tu éveilles en moi l'inceste. Je ne te parlerai pas de ma femme qui est partie même pas pour un autre. Et je ferai tout pour que tu croies que je suis un homme libre. Fais monter la pression, Julie, et pendant que tu y es, mets-y un peu de piquant. Fais monter la pression, Julie, il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Encore une fois, serre-moi. Et si toi aussi t'en as marre et que tu te seras servi au comptoir dans la belle brochette de bave qu'ont tous la même couleur au fond des yeux et que tu m'emmènes chez toi juste parce qu'il fait chaud et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à foutre non que de baiser un instant court instant un crachat dans le néant juste pour pouvoir dormir enfin. Oh, 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 d'un sommeil de plomb. Fais monter la pression, Julie. Et pendant que tu y es, mets-y un peu de piquant. Fais monter la pression, Julie. Il n'est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Encore une fois, serre-moi. Et à 1000 bornes de l'espoir, mais comblé pour un soir. Et à 1000 bornes de l'espoir, mais comblé pour un soir. Pour un soir. Ton
petit côté espagnol de dire olé. Ça, c'était une chanson. Elle s'appelait pas Julie, la fille, en fait, qui m'avait inspiré ça. T'as pris un pseudo. C'est une fille qui a fait les photos qu'on voit dans la pochette du premier album. Et la dernière chose qu'elle a fait avant d'aller se suicider, ouais. C'est de déposer les négatifs au bistrot d'en face pour que je les aie. C'est encore une histoire gay, hein. Ouais, si ouais. Tu racontes, tu vois. On est à fond. C'est marrant. Ouais, c'est drôle. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'il y a des chansons qui existent. Bah, la chanson existait avant. Mais elle a pris une autre signification. Si je suis responsable du fait que. Enfin bon. Enfin, c'est une histoire. Il y en a plein comme ça, si on fait le tour, tu sais, voilà, c'est tout un cimetière. Oui. Que je trimballe sur les épaules. Ça, c'est une chanson que j'écris à Toulouse, évidemment, où je passais mon temps à appeler ma copine, qui, évidemment, elle sortait avec mon meilleur copain. Des péniches. Je dis pas, ouais, enfin, de l'époque de ma péniche. De ta péniche. Ouais. Et puis, bon, il n'y avait pas que ça. J'étais, à l'époque, dans une putain de galère de tous les côtés. Et je ne sais pas comment Paris me manquait. D'ailleurs, toutes les chansons sur Paris, elles viennent, je les écris pour la plupart à Toulouse. Ouais, quand tu étais en exil, quoi, en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est des chansons d'exil, comme la chanson de tout à l'heure, la Barbès, quoi. Si j'écris en espagnol, c'est parce que Toulouse, c'est une ville un peu espagnole. Sur le marché, tu trouves plein de trucs espagnols, des flamencos, des cassettes pirates, plein de trucs intéressants. Et puis, hasard voulu ou pas, Mano Solo, ça sonne un peu espagnol. Hein. Ouais. Finalement. Ouais. Donc ça gâche pas. Ouais, je relance encore avec l'espoir de te parler. J'ai beau savoir que ça me fout le cafard, je peux pas m'empêcher d'y croire. Ouais, la nuit sonne ses derniers coups. J'irai jusqu'au bout, j'aurais voulu. Oh oh, quelque chose de bien, j'aurais voulu. Oh oh, que tu me dises bien. Sur le trottoir comme chaque soir, je te raconte l'histoire des larmes de rue dans les parcs qui puent, les regards moisis et les corps meurtris. Allô Paris, tout est fini et putain, je suis fatigué. J'aurais voulu. Oh oh, quelque chose de bien, j'aurais voulu. Oh oh, que tu me dises bien, j'aurais voulu. Oh oh. Même l'envie, ouais, tu ne te souviens plus de rien, tu oublies un peu plus. Chaque matin et ta mémoire coule le long des trottoirs en noyant mon désir dérisoire. J'aurais voulu, oh oh, quelque chose de bien, j'aurais voulu. Oh oh, que tu me dises bien, j'aurais voulu. On va être obligé de dire au revoir. Ben ouais, on est bien. C'est con, j'avais plein d'autres chansons encore. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut une heure pour se chauffer, et puis après on a envie d'y aller toute la nuit. Donc. Bon, on en fera d'autres.
Bah ouais. On n'a pas chanté Tripote-moi la bite, on va finir avec Tripote-moi. Et puis bah, ça fera le générique de fin de soirée, puisqu'après il faut qu'on antenne, donc on ne mettra pas le générique ce soir exceptionnellement. Ça sera ta chanson qui fera le générique de Smoke City. On souhaite une excellente année à tout le monde, et puis que la révolution continue. C'est bien dodu, je l'ai branché ouais, dans la rue, je l'ai traîné dans un petit coin et là j'ai dit allez viens, oh tripote-moi la bite avec les doigts, tripote-moi la bite avec les doigts. Alors elle a dit et ta sœur et j'y ai dit ouais pas moi le beurre, tripote-moi la bite avec les doigts. Alors elle a dit pourquoi pas, elle s'est jetée sur moi. J'étais aux anges, tout bon pour la vidange. Je voyais plus que ses yeux, je la verrais louer comme un pieu. Alors la bouche en cœur, elle a sorti son cutter. La bouche en cœur, elle a sorti son cutter. Et d'un coup, ça a charclé, j'ai vu mon sang pisser. En se retroussant les babines, elle a bouffé ma pine. Oh non! Oh putain! Oh non, la salope! Oh la putain, la bouffière! La morale de cette histoire, c'est que si tu sors ton braquemar, mets-toi une capote en fer, ce pote t'habitaille en enfer. La morale de cette histoire, c'est que si tu sors ton braquemar, mets-toi une capote en fer, ce pote t'habitaille en enfer. C'était Smoke City. Et à la semaine prochaine, je sais pas ce qu'on a comme invité. La semaine prochaine, l'année prochaine, bah on va attendre le retour d'Héloïse. Bon, voilà, c'est ça. C'est elle qui nous guide. Sainte Vierge Héloïse va nous sauver nos âmes. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus sur Manosolo, bah vous savez qu'il y a un site internet, manosolo.net par exemple, où vous pouvez avoir plein d'informations, notamment savoir quand est-ce que tu joues la prochaine fois. Tu as une date en janvier, je crois, déjà. Ouais, ouais, ça sera mieux quand même, parce que j'ai des super musiciens. Et des sacrés musiciens, voilà. Ça me permet de chanter mieux. La scalaire sur une guitare pourrie. Et je ne sais pas jouer, moi. Et on ne rappellera pas le triste épisode des Chihuahuas aux gens, alors, hein, c'est bon. Hein. Oh, c'était pas triste, Chihuahua, hein. Tu sais, c'était pas triste. J'ai vu Napo il n'y a pas longtemps, il joue dans un cirque, là, dans le sud, il est très heureux. D'accord, eh ben, c'est cool. Ouais. Chers amis auditeurs, eh ben, à la semaine prochaine, et puis passez une bonne soirée, de bonnes fêtes, sur Aligre FM 93.